Salut tout le monde, c'est Anastasia Custom et aujourd'hui on va customiser de nouveau Sally du film L'étrange Noël de Mr. Jack de Tim Burton. Cette fois-ci on va s'inspirer du travail de No Flutter, mais comme vous le savez, j'ai déjà réalisé auparavant plusieurs versions de Sally. Certaines d'entre elles sont visibles dans les tréfonds de ma chaîne YouTube et peut-être que plus tard je la referai dans d'autres versions, mais aujourd'hui je suis dans ma période No Flutter et je m'intéresse de très près à tout ce qu'elle fait. Pour la tenue, étant donné que je ne sais toujours pas coudre, j'ai fait appel aux copines du sud de la France, j'ai nommé les procrastinatrices associées. De mon côté, le challenge sera surtout au niveau de la coiffure, puisque ça fait des mois et des mois que je cherche comment faire des anglaises avec du viscose, mais je vais y revenir plus tard. On va donc travailler sur une Monster Eye Kiyomi qui a la particularité d'avoir une peau bleue translucide, et on va commencer par dépouiller tout ça et attaquer son make-up.
comme je vous le disais en début de vidéo, le viscose est certes une fibre très souple et douce, elle n'en reste pas moins capricieuse puisqu'elle ne supporte pas du tout l'eau. Une fois qu'il y a contact avec du liquide, cette fibre a tendance à frisoter et à perdre toute sa qualité, et il devient quasi impossible de la coiffer. Il m'a donc fallu réfléchir à un plan pour réussir à faire ces anglaises sans devoir plonger la fibre dans l'eau brûlante comme on peut le faire avec toute autre fibre synthétique ou même avec nos propres cheveux en fait. La seule solution, c'est la colle. Oui, de la colle. J'ai d'abord testé la laque, mais même ultra forte, les anglaises ne tiennent pas. J'ai testé aussi d'enrouler les mèches autour d'un pinceau et de passer le fer par-dessus, et ça a tenu quelques temps, mais à la longue, les anglaises ont fini par se détendre. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi je me complique la vie? Le trois quarts de mes wigs sont faites à base de colle parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne avec le viscose. Donc, j'ai testé cette méthode avec la colle autour du pinceau, tout simplement, et ça a fonctionné. Réaliser cette wig et surtout pour éviter une touffe monstrueuse à cause du volume des anglaises, j'ai dû tout d'abord couvrir la tête de fibres. Et voici le travail des procrastinatrices associées qui ont pris soin de détailler au maximum la tenue et de rester le plus fidèle possible au design de nos flotteurs.
C'est en parlant de malheur qu'il arrive. J'ai voulu coiffer la frange avec un tout petit peu d'eau et une brosse à dents, mais une grosse goutte est tombée sur la fibre et dans un sens c'est pas plus mal puisque comme ça vous pouvez voir les dégâts que ça peut faire. Alors on voit pas très bien mais toute la moitié de la frange est devenue frisée. On va essayer de rattraper ça avec un fer à lisser, de la laque et beaucoup de patience. Et la petite touche finale, du vernis bien brillant pour les yeux et les lèvres. Sachez que Sally est disponible à la vente aux enchères sur eBay, spécialement pour Noël, et vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Voici le deuxième modèle de Sally que j'ai réalisé. Comme vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo collaboration d'Halloween, la tenue de Sally Boy a également été réalisée par les procrastinatrices associées. Quant à la robe de la dernière Sally, elle a été faite par la couturière américaine Haute Plastique. Et j'en profite pour vous dire que Sally Boy est également mise aux enchères pour Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle FAQ. Tchuss !